Okay, I believe I am live. I think, okay, the audio level seem nice. So, there's no one yet, but that's okay. I'm making those lives so that people can watch them again. I'm not making them so that people can, I haven't advertised anything, but if I can maybe wait a few minutes, there might be someone coming. Oh, here you go. Hi, welcome to my life. Oh, my bad. So as you can see, it's snowing outside. It's been snowing quite heavily. Canada, right? I think there's like at least 1 foot of snow. It's pretty hectic. It's been snowing nonstop for, I want to say 48 hours almost. And it stopped now, but it's very beautiful. Okay, so the point of this live is not just me talking about the weather. It's speaking in French, slow yet challenging French. That's the title. And yeah, I'll be speaking in French. I have a subject ready, and I want to talk about my relationship to my body and to my health, and how it, sorry, and how it changed over the years. I have a few things I want to touch on. It'll be in French. I'm going to speak as slow as possible. And yeah, I'm trying to make enough content for people that want some. I have my podcast, but my podcast is very fast. It's fast paced. My bad, sorry. This is me hitting the table. That's okay. So yeah, I have some content in French. I have my podcast, but it is pretty fast-paced. It's native content meant for non-natives. So that means that it's pretty fast. I don't constrain much. The only thing that I do is that I translate the expressions. So if ever I say the equivalent of, I don't know, an English expression that I use often. I don't know, I'll just give one in French. If ever I say something like on peut pas avoir l'argent le beurre pardon et l'argent du beurre, I'll translate that in English. I'll say it's when you can't have one thing and you can have the butter. That's what it means. You can't have the butter and the money you get from selling the butter. It's like whenever you have a choice to make, you can't have both outcomes. So if ever there is an expression that come up, an idiom that comes up in French, I will talk about it during my podcast. But my podcast is very fast-paced. Even for me, some of the times, whenever I am listening to it and I don't pay attention, sometimes when my invitees or even when I get a bit turned up, a bit emotional, and I speak fast, especially when I laugh, it's hard for me to understand what I was saying. So this is why those lives exist. I had done some videos called Slow and Steady French for the exact same purpose, but I think it's more interesting for me and for you if it's live, because oh hey, two people. Hello, I'm going to speak in French so that you know. Just tell me in the comment if you speak French. If you don't speak French, sorry, but it's going to be about, oh, someone left. Here you go. It's going to be about slow. It's going to be slow yet challenging French. Challenging. It's a word that I have trouble pronouncing. Challenging. Challenging. Like the L. Challenging. Never mind. Okay, I think I can start now. It's been 4 minutes already. Okay. Bon. Alors, c'est le moment où je parle français. D'abord, je vais juste aller chercher mon verre d'eau parce que je l'ai oublié. Parce que je veux boire pendant mon live. Donc, j'ai besoin de 10 secondes. J'arrive. Et je suis là. D'accord, donc, hop, slow, yet challenging French. On y va, on y va. C'est tombe bien, j'ai un verre d'eau.
On va parler de santé, on va parler de mon corps et de la relation que j'ai avec mon corps qui a un peu changé. Ça va pas être un sujet très facile à comprendre. Ce live-ci va être un peu plus dur à comprendre que le dernier. Si tu regardes en rediffusion, tu peux aller regarder le premier live après celui-là, si tu veux, où je parle de ma première expérience de voyage solo. Et dans ce live, je vais parler de la relation que j'ai avec mon corps, que j'ai eue au fil des années. Au fil des années, ça veut dire quand le temps passe, au fur et à mesure que le temps passe. C'est avec le temps que ça marche. Donc j'ai quelques points sur mon carnet. N'hésite pas à poser des questions. Si jamais il y a des questions, je vais y répondre. Je vais essayer de regarder le chat. Et si toi, tu me regardes en rediffusion, tu peux me poser des questions après. Et j'essayerai d'y répondre. Alors, je vais commencer. Avec bonjour, bonjour, bienvenue sur mon live. Aujourd'hui, je parle français. Je vais commencer à parler de mes allergies. Ouais, j'ai envie de partager ça. J'ai des histoires avec mes allergies et ça a changé la façon dont je vois la nourriture. Ça a changé la façon dont je prends soin de mon corps. Et je vais commencer par le début. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à avoir des réactions un peu incontrôlées parce que je mangeais un certain type de nourriture. Et c'était pas très grave parce que c'était juste que j'avais mal au ventre, j'avais la bouche qui me faisait mal, les lèvres qui gonflaient un peu. Gonflé, ça veut dire, c'est gonflé. Le visage aussi qui devenait rouge. Mais c'était pas très alarmant parce que j'étais un enfant et les enfants, souvent, ils ont des réactions, mais il faut pas s'inquiéter tout de suite. Mais au bout d'un moment, les réactions étaient un peu plus fortes jusqu'au jour où j'ai fait une réaction ou j'ai eu une réaction après avoir mangé des cacahuètes, de l'arachide. En anglais, c'est pas du tout le même mot, donc je vais juste donner la traduction. Peanuts. Donc cacahuètes, c'est des peanuts. Et j'avais 6 ans, j'ai mangé des cacahuètes et j'ai eu très très mal au ventre. Je me rappelle très bien de ce jour-là. J'avais vraiment mal au ventre, j'étais malade et ça allait pas du tout. Le problème, c'est que on ne savait pas pourquoi. En fait, je suis allé à l'hôpital après avoir mangé des cacahuètes. Et les docteurs m'ont ausculté. C'est le mot pour dire regarder, observer, faire des tests. Les docteurs m'ont ausculté. Il n'y avait rien d'anormal. J'étais pas malade. J'avais une réaction, mais on ne savait pas d'où ça venait. Je suis rentré chez moi, j'ai encore eu des symptômes. Je sais que j'ai vomi, j'étais pas bien, je me sentais très très mal. Et je m'en suis remis parce que les réactions allergiques, ça finit par passer. Les réactions allergiques, attendez juste. Bouge la lumière qui m'éblouit.
Voilà, comme ça. C'est bon, vous me voyez quand même. Les réactions allergiques, ça finit toujours par passer. Et donc, on s'en est pas trop préoccupé avec ma famille, mais on voulait quand même savoir ce que c'était. C'est pas normal, on ne s'est pas trop inquiété, mais on voulait comprendre pour si jamais ça recommençait. Et je sais plus comment, mais quelqu'un a eu l'idée que je passe ou que je fasse un bilan sanguin. Donc, un bilan sanguin, c'est quand on me prend du sang dans une fiole, ça s'appelle une fiole, et on analyse le sang. Et une analyse qu'on peut faire aussi, c'est l'analyse des allergies, dont l'allergie aux arachides. Parce que, arachides, toujours peanuts. Parce que c'était assez commun déjà à l'époque, les allergies d'arachide. Et c'est encore plus commun aujourd'hui, de ce que j'ai entendu. Et donc, on a découvert que j'étais allergique à la cacahuète. Et c'était un peu un choc pour moi, parce que j'ai réalisé que j'avais mangé une substance, quelque chose de la nourriture qui était dangereuse pour moi. De la nourriture dangereuse pour moi, qui pouvait même me tuer apparemment. Et ça m'a fait très peur. Je pense que je m'en rappelle très bien parce que j'ai eu très très peur à l'époque. J'avais 6 ans. Et ça m'a un peu marqué, ça a changé ma relation avec la nourriture. Salut mon gars, je viens du Canada et je regarde beaucoup tes vidéos. Hey, merci, bonjour Insanity. J'aime ta chaîne, tes podcasts, ça m'a aidé à apprendre le français, parler rapidement, I hope your channel keeps growing. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, j'ai dès que j'ai un peu des émotions, c'est dur de parler doucement. Bah écoute, merci et bravo pour ton français. J'en étais où ? J'en étais sur à parler de la relation à la nourriture. Je savais que j'étais allergique à la cacahuète et que la cacahuète, c'est de la nourriture qui peut se trouver de partout. Le problème avec ça, c'est que dans ma tête, plus rien n'était sûr. J'étais pas en sécurité quand je mangeais de la nourriture. Et donc ça m'a fait très très peur. Et j'avais toujours, et encore aujourd'hui, parce que je suis toujours allergique à la cacahuète, encore aujourd'hui, donc à l'époque déjà, j'avais une poche, petite poche, avec des médicaments à l'intérieur. J'ai toujours, par exemple, un EpiPen, donc c'est un bâton, un stylo, et avec de l'adrénaline, si jamais je fais une réaction, je mets ça dans ma cuisse et ça m'aide. Et donc, depuis que j'ai 6 ans, je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à regarder avant de manger. Je fais attention je fais attention à comment je me sens après avoir mangé quelque chose si je ne suis pas sûr de ce qu'il y a dedans. Et selon les restaurants où je vais, j'ai peur parce que des fois, si le cuisinier cuisine avec des cacahuètes dans un récipient, dans un contenant, avec des outils, des ustensiles, et il utilise ces mêmes ustensiles pour préparer mon plat, ça peut me donner une réaction.
Et donc ça se connecte à la façon dont, à ma relation à mon corps, parce que depuis tout petit, je fais attention à la nourriture et j'ai conscience que la nourriture, ça peut faire du mal. Ça peut être, c'est quelque chose dont on a besoin, mais c'est aussi une menace, si je peux le dire comme ça. Et donc, ça m'a, je pense, aidé dans ma vie à manger correctement, à faire attention à ce que je mange. J'ai été un peu entraîné à faire attention à ce que je mange et à éviter certains types de nourriture. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à l'âge de 16 ans à peu près, peut-être 15 ans, 16 ans, c'était pas très dur pour moi, moins dur pour moi d'arrêter de manger du sucre, d'arrêter de manger des choses qui sont mauvaises, de me restreindre, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, ça m'a fait me rendre compte, ça c'est important, ça m'a fait me rendre compte assez tôt que mon corps, il n'est pas invincible, que mon corps, il est fragile et que une petite noix, une petite cacahuète peut me faire du mal et peut me, même me tuer. Et donc, quand inconsciemment, je n'ai pas réalisé ça consciemment, mais quand inconsciemment j'ai réalisé ça, je pense que j'ai été plus conscient des dangers de ce qu'on peut faire dans la vie sur le corps humain. Et c'est pour ça que j'ai mis mes allergies comme le premier point sur mon papier, sur mon carnet. En premier point, j'ai mis mes allergies parce que pour moi, c'est une partie importante de ma conscience de mon corps, parce que j'ai conscience de ce que je mange et j'ai conscience que mon corps, c'est fragile. Il faut en prendre soin. Mais là, avec l'expérience, je le sais encore plus, mais ça m'a aidé à aller dans la bonne direction. Parce que je pense que c'est un peu philosophique, mais je pense que dans la vie, c'est important de... C'est pas tellement la vitesse qui est importante, vous allez comprendre. C'est pas la vitesse, c'est la direction. Si je fais des progrès très lents, mais dans la bonne direction. Si je change chaque jour ou chaque semaine des petits détails, mais dans la bonne direction, des détails qui m'aident, ça a le plus gros impact sur le long terme. Parce que avec l'expérience que j'ai eue avec mon corps, j'ai jamais eu des grosses améliorations de santé ou des grosses améliorations de bien-être en allant très vite, en essayant de faire des choses tout de suite, radicalement. Ça a toujours été un peu amélioré petit à petit, comprendre et essayer des choses, mais toujours en étant dans l'état d'esprit, le mindset que je peux améliorer les choses, que je peux trouver un peu la direction dans laquelle aller et faire des efforts petit à petit sur le long terme. Parce que je suis au début de ma vie et je viens de commencer ma vie d'adulte. Donc, j'ai tout à gagner, à faire attention pour le reste de ma vie, pour vivre le mieux possible. Ce n'est pas que vivre longtemps, c'est aussi vivre correctement. Et je pense que la santé, ça impacte directement la cognition, le cerveau, l'esprit, comme vous voulez l'appeler. Et donc, ça, c'est mon... Donc là, j'ai parlé de mes allergies et j'ai parlé de... Je ne sais plus comment je suis venu à dire ça, mais ce n'est pas très important. De la nutrition aussi, ouais, c'est ça. Et après, j'aimerais parler des mouvements.
du mouvement et aussi de la mer. Pour le contexte, j'ai été très chanceux dans ma vie, très très chanceux, parce que je suis né à côté de la mer et j'ai vécu presque toute ma vie à côté de la mer. Donc, je viens d'une petite ville du sud de la France qui s'appelle La Ciotat et la mer fait partie intégrale de la ville, de la vie des gens qui habitent là-bas. Et donc, depuis petit, j'ai des activités dans la mer. Et les activités en mer, ça améliore la santé pour plusieurs raisons. Ça aide à être en bonne santé pour différentes raisons. La première, c'est que dans la mer, il fait froid. C'est bête, mais la mer, à part en été, donc 1 ou 2 mois, peut-être 3 mois par an, elle est chaude. Pardon, elle est froide. Et quand on est dans l'eau froide, même avec une combinaison, donc une combinaison, c'est quelque chose qu'on met sur la peau, c'est comme un vêtement, mais pour aller dans la mer, pour ne pas avoir froid, c'est en néoprène. Donc c'est un peu étanche, mais c'est pas complètement étanche, c'est élastique. Et même en portant une combinaison, on peut pas, on a froid. Quand on est dans la mer et quand on fait une activité dans la mer, c'est pas pour 5 minutes, c'est pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, en étant dans la mer, avec le vent, avec l'air froid, tout ça, ça aide le corps, ça force le corps à forcer pour se réchauffer. Donc, on tremble, on a froid. L'adrénaline monte et ça c'est très bon pour le corps quand l'adrénaline monte un peu, pas tout le temps mais certaines fois dans la journée et dans la semaine, c'est important de faire monter l'adrénaline. Il y a beaucoup de thérapies qui utilisent le froid et l'exposition au froid pour aider et rééduquer des parties du corps. S'il y a une blessure qui aide à récupérer après un entraînement, par exemple. Et donc, ça, c'est la première partie qui fait que. Doucement. Ça, c'est la première partie qui fait que le froid et la mer, plutôt, la mer, c'est bien pour la santé. Et la deuxième, c'est que c'est très agréable d'être en mer. Être dans la mer, c'est se sentir un peu connecté à la nature. Il y a du mouvement, ça bouge. Les activités qu'on fait en mer, elles sont très, très agréables. C'est vraiment drôle. Moi, j'ai fait du bateau à voile. J'ai fait de la planche à voile. En anglais, c'est windsurf. J'ai fait du surf. J'ai beaucoup nagé, du stand-up paddle. Donc, faire tout ça, c'est bon pour l'esprit, c'est un effort, mais c'est aussi un moyen de s'exprimer pour le surf, par exemple. C'est un moyen de bouger, de dépenser son énergie. Et c'est vraiment aussi un aspect de ma personne, c'est que j'aime l'eau, j'aime nager, j'aime la mer, j'aime être en contact avec l'eau et ça m'aide pour ma santé mentale et physique. Et il y a aussi autre chose avec la mer qui est important, je pense qu'il y a un effet assez important, c'est le sel. Le sel, ça fait vraiment du bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je connais pas la biologie du phénomène. Pourquoi est-ce que le sel, ça nous fait du bien à nous, les humains? Mais je sais que c'est bien de respirer du sel. C'est aussi bien d'avoir du sel en contact avec la peau. Et d'expérience, quand je suis
dans la mer, quand je suis dans l'océan et que j'ai du sel sur la peau, ça me fait du bien pendant plusieurs heures. Je pense que le sel, c'est une partie importante de l'expérience. Parce que quand je vais à la piscine, j'ai pas la même expérience, j'ai pas la même sensation. Quand je me baigne, se baigner, c'est nager, c'est apprécier, comment on pourrait dire, profiter de quand juste être dans l'eau, flotter, profiter, être dans l'eau, se baigner. Et quand je me baigne, quand je nage dans un lac d'eau salée, d'eau, comment on dit, d'eau pure, non, d'eau douce, pardon, dans un lac d'eau douce où il n'y a pas de sel, je me sens bien après, mais ce n'est pas la même sensation que dans la mer. Et je ne pense pas que c'est uniquement psychologique. À regarder, si tu sais, tu peux commenter, si tu es au courant, comme on dit en français, n'hésite pas à me dire. Et donc ça, c'est une partie qui était très importante dans mon développement, dans mon enfance, et encore aujourd'hui, c'est le contact avec l'eau, le contact avec la mer, et les sports dans la mer. Et on sait que le cardio, les scientifiques savent que le cardio, l'effort physique, respirer et faire un effort physique, c'est très important pour la santé parce que notre biologie, notre système et même notre système immunitaire, il me semble, est renforcé par l'effort physique. Et pendant et après avoir fait un effort physique, des hormones traversent le corps, des hormones et des neurotransmetteurs, pardon, sont présents et ça nous permet de nous sentir bien et d'être en bonne santé. Et donc ça, c'est une partie importante de ma relation avec mon corps et ma santé, c'est la mer. Et il y a encore une chose avec la mer, il y a beaucoup de choses à dire à propos de la mer. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans la mer, on n'a pas nos téléphones. On n'a pas nos téléphones, on n'a pas de technologie, pas de musique, ou peu, ou rarement. On est juste seul face à nous-mêmes, face à la nature. On est seul avec nous-mêmes. Mais surtout, dans la mer, l'apparence, elle compte moins. Sur la plage, l'apparence, elle est, c'est important. On voit les hommes à la plage qui sont fiers d'avoir un beau corps, les femmes qui sont aussi fières de montrer leur corps, ou alors au contraire, d'autres personnes qui ont honte, d'autres personnes qui s'en foutent, à qui ça importe pas du tout. Mais une fois qu'on est dans la mer et qu'on est soit en combinaison ou en maillot, mais on nage, ça n'a aucune importance, l'apparence. C'est, on oublie ça complètement. On pense juste à nager, à se déplacer, à faire du surf, à attraper une vague en surf, par exemple, à naviguer quand c'est en bateau ou quand c'est en planche à voile. Et il n'y a pas de question d'apparence. Et ça, je pense que ça complexifie les personnes qui le font, mais il y a quand même la barrière de être en maillot, d'aller dans l'eau en maillot. Il y a la barrière parce que faut aller de la terre ferme ou à la plage dans la mer. Donc les gens ont peur de l'acte, mais une fois qu'on est dans l'eau, une fois qu'on fait l'activité, ça n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose que je trouve thérapeutique avec la mer. C'est un peu, c'est plus facile de s'accepter quand on a l'habitude de se voir, quand on est confronté à notre corps. J'ai jamais eu de problème j'ai jamais été en surpoids
C'est comme ça qu'on dit en français. J'ai jamais été gros. J'ai toujours été mince. Et puis quand j'ai commencé à m'entraîner, ça je vais en parler après, j'étais plutôt fier de mon corps, je dois l'admettre. Mais ça m'a aussi aidé à ne pas trop être fixé sur l'image de mon corps. Parce que quand j'ai l'habitude de voir mon corps, ça devient juste quelque chose dont j'ai l'habitude. Quelque chose à laquelle je suis, ou auquel, non, quelque chose à laquelle je suis habitué. Et ça m'a aidé parce que, transition, quand j'ai commencé à m'entraîner, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire du sport pour renforcer mes muscles, pour renforcer mon corps et pour gagner en force. Quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a aidé à pas tomber dans l'extrême et dans la critique. La critique, comment dire ça, constante de mon corps, de comment, de à quoi je ressemble, de la taille de mes bras, de mon dos par exemple, et de mes abdos. J'ai pu plus me concentrer sur le côté bien-être, sur le côté est-ce que moi je me sens bien, est-ce que je peux faire les choses que j'ai envie de faire, par exemple des tractions. Si vous connaissez un petit peu la calisthénie, je vais en parler, les muscle-up, quand on passe au-dessus de la barre, les choses fonctionnelles comme courir, faire du vélo. Je me suis plus concentré sur ça plutôt que sur les détails de est-ce que mon bras est assez gros ou est-ce que mes épaules sont bien par rapport à mes pectoraux ou alors. Est-ce que mes jambes sont assez belles? Et ça m'a aidé parce que je connais des gens, j'ai vu des gens qui étaient jamais satisfaits de leur corps parce que ils basaient leur satisfaction sur leur perception de leur corps. Le problème, c'est que la perception du corps, on n'a pas de contrôle, on a très peu de contrôle dessus parce que notre perception, elle change. Et elle change pas que quand notre corps, il change. Bien sûr, ça change, mais elle change surtout avec le temps et avec la répétition. Donc, même quelqu'un qui est très très musclé, qui a un corps qui est impressionnant, peut au bout d'un moment se trouver pas esthétique ou se trouver pas assez gros. Pareil pour les femmes qui se regardent tout le temps dans le miroir, qui essayent tout le temps de s'observer pour voir si elles ont pas grossi ou si elles sont belles. Je sais que c'est quelque chose qui touche plus les femmes, même si les hommes aussi. Et c'est un terme, il y a un terme qui décrit ça, qui s'appelle la dysmorphie du corps. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la perception et le corps lui-même. Donc les gens qui ont cette dysmorphie vont se voir plus gros s'ils veulent être minces. S'ils veulent être moins gros, ils vont se voir plus gros que ce qu'ils sont vraiment. Les gens qui veulent être plus gros, plus impressionnant, plus musclé, plus massif, eux, ils vont se trouver plus fins que ce qu'ils sont vraiment. Et c'est important pour moi d'en être conscient et d'être conscient que ma satisfaction, elle ne peut pas être basée sur la façon dont je me vois. Elle ne peut pas être basée sur mon physique, mais mon physique dans le sens l'esthétique. Bien sûr, j'aime l'esthétique. J'aime voir des beaux corps, j'aime voir des belles personnes, comme tout le monde. J'aime
penser que j'ai un beau corps, j'aime être fier de mon corps, mais ça ne peut pas être ma satisfaction. Parce que sinon, je vais toujours vouloir mieux, toujours, toujours, toujours. Et c'est aussi le cas avec l'apprentissage de langue. Et ce n'est pas le problème de vouloir mieux, parce que c'est sain. C'est sain, ça veut dire healthy. C'est sain de vouloir mieux. Le problème avec ça, c'est que ça va changer la perception qu'on a de nous-mêmes et de notre valeur en tant qu'humain, en tant que personne. Et donc, moi, je base ma satisfaction uniquement sur qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux... est-ce que je suis en bonne santé ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je peux courir comme je veux ? Est-ce que je peux sauter comme je veux ? Est-ce que j'ai la force que je veux ? Parce que ça, il y a beaucoup moins de perception là-dedans. C'est beaucoup plus des statistiques, des nombres, des mesures, plutôt que comment on se voit. Vous me direz aussi, oui, ben, on peut mesurer le tour de bras, on peut mesurer le tour de taille. Oui, mais c'est pas sur ça que les gens basent leur satisfaction. Les gens qui ont une dysmorphie, ils basent leur satisfaction sur le feeling, sur comment ils se sentent quand ils se regardent et comment ils pensent que les autres les voient. Et voilà, tout ça pour dire que je fais attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir toujours être plus beau, toujours être plus esthétique. Plutôt, je me concentre sur mon ressenti. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que j'aime être dans mon corps ? Et c'est ça pour moi qui est important. Ouais, je vais partir sur une autre tangente qui allie santé, bien-être et corps et performance aussi. Je vais parler un peu de la nutrition et de ce que je choisis de faire pour ma nutrition. Ici, je suis conscient que il n'y aura jamais de consensus. Tout le temps, les gens ne seront jamais d'accord sur ça. Les gens ne seront jamais d'accord sur ce qu'est avoir un beau corps. Les gens ne seront jamais d'accord sur ce qui est bien manger et ce qui est optimal pour la nutrition. Et je pense qu'il y a différentes façons de voir les choses, différentes écoles. Mais donc voilà, la nutrition que moi, je choisis d'utiliser, la nutrition que moi, ce que je choisis de manger, c'est j'ai un régime qui s'appelle le slow carb diet. Donc en français, ça serait le régime des sucres lents. Ah, salut James, comment tu vas? Je suis en train de parler de ma santé et de mon corps et de ma relation avec tout ça. Tu pourras voir le début en rediffusion, c'était intéressant, je pense. C'est un peu dur de parler clairement parce que c'est un sujet qui me passionne et j'espère que je ne parle pas trop vite. Donc, j'étais en train de parler de la nutrition et je suis un régime, je suis du verbe suivre, je suis un régime qui s'appelle le slow carb diet ou en français le régime sucre lent. Carbs en anglais, c'est les sucres ou les glucides en français. Et donc ça, c'est un régime qui est en fait très simple. Il y a 5 règles. J'espère que je vais bien m'en rappeler. Première règle, ne pas manger tout ce qui est blanc ou peut être blanc. Donc, c'est ne pas manger des pâtes, ne pas manger du riz,
ne pas manger des féculents comme des pommes de terre. Je ne peux pas manger des pommes de terre. Je ne peux pas manger non plus du fromage ou du lait avec mon régime. Et les pâtes complets et les pâtes et les riz complets, pour ceux qui se demandent, c'est pas possible non plus. La deuxième règle, c'est manger des protéines 30 minutes. Dommage, je dois m'en aller. À plus, beaucoup de succès. Merci James, bonne journée à toi. Donc, ce qui est important, c'est manger des protéines 30 minutes. Après moins de 30 minutes après le réveil. C'est important pour fonctionner bien dans la journée. Et l'explication, c'est que c'est important pour pas trop manger le soir. Je vais expliquer ça plus après. La troisième règle, c'est ne pas boire des calories. Donc ça, c'est très simple. Je peux boire du café ou du thé, mais c'est tout. La quatrième règle. Je sais ce que c'est la cinquième, mais la quatrième, j'ai oublié. Ah mince. Mais on va dire que la quatrième, c'est manger un jour par semaine tout ce que je veux. C'est le jour où je peux me laisser aller. Je peux manger tout ce dont j'ai envie. J'ai pas de limite. Les seules limites, c'est ce que j'ai envie de manger. Et la cinquième règle, est-ce qu'il n'y en avait que cinq, que quatre? Et je ne sais pas ce qu'est la cinquième règle. C'était pas très important. En tout cas, le principe, c'est que bon, pas de fruits, c'est ça. Ouf. Cinquième règle, pas de fruits à part le jour dans la semaine où je peux manger tout ce que je veux. Et ce régime, je l'ai commencé en avril dernier. Donc, il y a plus de 6 mois maintenant, 7 mois, 8 mois, eh bien, déjà. Ça fait déjà 8 mois que je fais ce régime. Et le principe du régime, c'est de ne pas avoir une glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Le principe, c'est que le taux de sucre dans le sang ne monte pas trop. Quand vous mangez, par exemple, du chocolat au lait, le taux de sucre dans le sang monte rapidement et puis redescend rapidement aussi. C'est un pic. Le principe du régime, c'est éviter les pics. Et en fait, les fruits, les produits laitiers, les patates, les pommes de terre, les pâtes, le riz, les jus de fruits, par exemple, tout ça fait monter la glycémie très haut ou plutôt haut et puis redescendre très bas. Et donc, ça fait de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand on n'a pas assez d'énergie, on a très faim. On n'a plus de sucre dans le sang pour fonctionner. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je mange alors? C'est quoi le principe du régime alors, si je ne peux pas manger toutes les nourritures que les gens mangent d'habitude, le pain, les pâtes, le riz. En fait, je mange que des glucides très lents. Donc, c'est des pois chiches, par exemple, des haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, haricots pinto, haricots romano, il y en a beaucoup. Des lentilles, je mange beaucoup de lentilles. J'ai oublié le nom exact des lentilles que je mange, mais je mange beaucoup de lentilles. Et je mange aussi de la viande. Personnellement, j'aime beaucoup la viande rouge, la viande blanche, le poisson, le poulet, le porc. Je suis vraiment un grand fan de porc. Et j'adore
manger de la viande. Donc, j'en mange à tous les repas, je mange des œufs et je mange beaucoup de légumes. Donc, je mange beaucoup de haricots, de salades, beaucoup d'épinards, beaucoup de brocolis, de carottes, de tomates, tout ça, tout ça. Et un jour par semaine, je me laisse aller, je mange tout ce que je veux. Et c'est un régime qui fonctionne bien pour moi parce que ça me permet de ne pas réfléchir à ce que je vais manger. J'ai pas beaucoup de choix. C'est comme mes vêtements. Je porte que des vêtements qui sont des t-shirts qui sont unis et qui sont de couleur neutre. Donc, si je veux porter un t-shirt, si je veux m'habiller le matin, c'est très facile pour moi. J'ai juste à aller dans mon placard, choisir un t-shirt, un pantalon, et j'en ai deux. Et puis, c'est tout. Même chose pour ce que je mange. J'ai juste à aller dans mon frigo, réfrigérateur, prendre de la viande, prendre une conserve de lentilles, une conserve d'haricots, un peu d'épinards, et puis j'ai un repas qui est facile. Et donc moi, ça me correspond bien, et j'apprécie aussi le goût des épinards, j'apprécie le goût des haricots. Je pense que c'est très bon, les haricots, parce que je suis habitué. Et je pense que ça a bon goût, surtout avec une sauce ou du sel. Même si j'évite de manger trop de sel et mes sauces, c'est souvent juste de la moutarde ou alors de la sauce forte épicée. Et le gros point pour moi, le point qui est le plus important pour moi, c'est mes niveaux d'énergie dans la journée. Avant, quand je mangeais du pain le matin au petit déjeuner, j'arrivais pas à me concentrer après. À 9h, 9h30, quand je me levais à 6h30, à 9h30, j'avais déjà très faim, j'étais en hypoglycémie, j'étais obligé de manger quelque chose et en fait, je grignotais. Grignoter, ça veut dire snack. Je grignotais toute la journée parce que j'avais besoin d'un apport en énergie. Et maintenant, avec ce régime qui est certes un peu ennuyeux parce que je mange tout le temps la même nourriture 6 jours par semaine, avec ce régime, j'arrive à maintenir mes niveaux d'énergie. Donc, j'ai pas des gros niveaux d'énergie, pas des pics d'énergie, mais je maintiens mon niveau d'énergie, et ça, c'est une très bonne chose parce que ça m'aide aussi à mieux réfléchir. Le sucre, ça me rend un peu malade maintenant parce que j'en mange un jour par semaine et beaucoup. Ça me rend malade, ça me permet pas de réfléchir correctement. Excusez-moi, je regarde l'heure. Super. Ça me permet pas de réfléchir correctement et je me sens mal, je me sens malade quand je bois, quand je mange du sucre. Et oui, le problème avec ça, c'est que c'est très addictif le sucre. Donc, je pense pas pouvoir à jamais arrêter le sucre. Je pense pas que c'est possible pour moi parce que j'apprécie beaucoup les pâtes. J'apprécie beaucoup la pizza. J'adore manger des muffins, manger des pains au chocolat, des croissants. Mais ça me dérange pas de condenser tout ce que je mange, condenser sur une seule journée. Et le résultat, c'est que 6 jours par semaine, je suis en pleine forme. Je me sens très bien. Et le septième jour, je me sens un peu moins bien, mais ça me fait plaisir. J'apprécie beaucoup. J'apprécie boire un latte, par exemple. J'apprécie manger une barre au chocolat. J'apprécie manger des lasagnes. Et tout ça, c'est une bonne chose parce que ça n'a pas beaucoup ou presque pas d'impact sur ma santé.
parce que c'est que un seul jour. Et il y a quelque chose qui se passe aussi quand je bois du sucre ou quand je mange du sucre maintenant, c'est que je le digère beaucoup plus rapidement qu'avant. Quand je mange des haricots, c'est des glucides plus complexes. C'est plus dur pour mon corps de décomposer les glucides, de digérer cette nourriture. Et donc, je pense que j'ai développé plus d'enzymes, plus de bactéries. J'ai un intestin, ça s'appelle un intestin, my God, qui est plus résilient, qui est plus fort. Et c'est intéressant parce que maintenant, quand je mange du sucre, je le digère instantanément, beaucoup plus vite qu'avant. Et je pense que ça limite les mauvais effets. Et je pense aussi un jour faire une vidéo sur comment est-ce que la nutrition peut aider l'apprentissage de langue, comment est-ce que ça peut aider la cognition, quelle nourriture manger pour avoir un cerveau en bonne santé et éviter, en anglais on dit d'avoir une sorte de mind fogginess, en français on dirait un voile sur la pensée, non. Ouais, éviter d'avoir mal à la tête, éviter d'avoir l'esprit... Je ne saurais pas comment dire. D'avoir l'esprit un peu, j'ai envie de dire, l'esprit taxé par la nourriture, par le sucre. Parce que c'est ce que ça produit quand on mange beaucoup de sucre. On a du mal à réfléchir. Un peu, c'est bien. Ça donne de quoi... ça donne au cerveau de quoi penser. Ça donne du sucre, ça donne du carburant pour le cerveau, mais trop de sucre, ça permet pas de réfléchir correctement. Donc, je le dis ici, je compte faire une vidéo sur ça, mais ça va prendre beaucoup de recherche et beaucoup de temps, donc ça sera pas tout de suite. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé de moi. Pour l'instant, ici, il y a personne sur le live. Après, je l'ai pas annoncé, je l'ai dit à personne. C'est surtout pour la rediffusion que je le fais. Mais si tu regardes en rediffusion, est-ce que tu peux me dire si tu qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? Et toi, c'est quoi ta relation à ton corps? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi que tu aimes faire pour prendre soin de ton corps? Et donne-moi ton avis sur la question. Comment est-ce que la relation avec ton corps a changé au fur et à mesure, au fil des années? Et donc, voilà, ça me prend pas mal d'énergie de faire ces lives parce que je dois parler très lentement, mais j'apprécie quand même beaucoup. J'ai envie de dire aussi, je fais de la recherche en ce moment pour pouvoir mieux aider les gens qui apprennent le français et qui n'arrivent pas à s'exprimer clairement. Et je veux aider les gens qui parlent anglais et qui apprennent le français. Et donc, pour ça, je veux interroger des gens qui ont du mal à parler clairement, qui ont du mal à comprendre les natifs et qui se sentent mal. Donc, si c'est ton cas, dans la description, il y a un lien pour réserver un appel avec moi, si ça t'intéresse. Et si c'est ton cas, fais-le. Je te poserai des questions. Ça ne sera pas très compliqué à répondre, mais je vais un peu te faire réfléchir quand même. Et tu vas gagner un peu en clarté. Tu vas comprendre un peu mieux ce qui se passe avec ton français. Et moi aussi, je vais comprendre un peu mieux. Donc, si tu veux t'aider toi-même et m'aider aussi, va dans le lien, va dans la description et utilise le lien pour prendre un appel avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Je remercie les gens qui m'ont joint sur le live. J'ai apprécié faire ça. Et merci pour merci d'avoir regardé. Merci à ceux qui regardent en rediffusion.
Voilà, si vous avez des questions, commentez, il n'y a aucun souci. Sinon, on se dit à bientôt.